Moi, c'est Clémence, j'ai 22 ans et je suis volontaire en service civique au BILJ depuis le 17 octobre 2022. Alors, ma mission principale, c'est l'accès aux droits. Du coup, j'interviens principalement les après-midi sur le doublon à l'accueil, donc au niveau de l'espace multimédia, avec l'accompagnement sur les démarches administratives, les lettres de motivation, l'accompagnement pour les CV également. Je suis également en appui sur l'accueil des groupes collectifs pour la découverte du BILJ, avec des publics divers, des jeunes. En réinsertion professionnelle, en recherche d'emploi, également des collégiens ou des lycéens. Initialement, j'étais en licence de psychologie et du coup j'ai une appétence pour le contact avec les personnes et aussi au niveau de la prévention, l'innovation sociale, et c'est un thème que je souhaite également développer dans mon volontariat avec les accueils de groupes et la mise en avant de ces questions de prévention, d'égalité femmes-hommes, d'innovation sociale que j'aurai l'opportunité d'incorporer dans ces accueils de groupe et ces temps d'échange avec les jeunes. À côté de mon volontariat en service civique, je suis également engagée dans une association, notamment dans la défense des droits et la lutte contre les discriminations. Et du coup, c'est en adéquation avec ma mission au BILJ et ma mission dans cette association. Et les deux se complètent parfaitement parce que je vais traiter des mêmes thématiques, mais pas de la même façon, avec d'une part mon bénévolat dans une association étudiante sur la thématique de la lutte contre les discriminations et la défense des droits, et de l'autre part mon volontariat au sein du BILJ. Avec un accompagnement plus au niveau de la jeunesse et pas forcément uniquement dans le milieu étudiant. Puisqu'au BILJ, on accueille un large spectre de la jeunesse et pas uniquement des étudiants, mais également des jeunes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi.